Mercredi 4 octobre, Kate Middleton était de sortie à Bracknell, à l'ouest de Londres. La princesse de Galles s'est rendue auprès d'une association ukrainienne. Elle a participé à la confection de colis destinés à être envoyés ainsi qu'à des activités de peinture en compagnie d'enfants. Publicité pour sa sortie, Kate Middleton avait misé sur le gris. Elle portait un petit pull sans manches à col montant en laine signé Céphine ainsi qu'un pantalon ample de la marque française Cézanne ainsi qu'une paire de souliers à talons à imprimer tartan. Un changement de style pour la princesse qui cumule les sorties en ensemble tailleur-pantalon. Marine, beige, vert olive et rouge, Kate Middleton en fait voir de toutes les couleurs aux photographes ces derniers temps. Des ensembles blazer-pantalon de toutes les couleurs mardi 3 octobre, à Cardiff, en compagnie de son époux le prince William, elle n'a pas dérogé à sa nouvelle habitude. C'est habillée d'un costume à discrète rayure de chez Holland Cooper qu'elle a distribué des cœurs à la foule et a affronté son époux pour une partie de tennis de table, mettant à l'épreuve la compétitivité qu'on leur connaît. Princesse du recyclage, elle avait porté cette tenue 4 jours auparavant, cette fois-ci sur un sous-pull à col roulé. Les parents du prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, 10, 8 et 5 ans, rencontraient Tim Cook, le directeur général d'Apple pour discuter de l'environnement.